sais pas très bien d'où il est né de moi de toute façon. Mais j'avais très envie de parler à la fois de la vie, des espèces vivantes et de l'environnement qui lui a donné naissance. C'est-à-dire de la vie bio et de la terre G. Et bio G, ça veut dire la vie et la terre, la vie dans la terre. Et alors, au lieu de parler de telle ou telle espèce vivante, au lieu de parler de la mer, des volcans ou de la terre, etc., j'ai essayé de les faire parler eux. C'est-à-dire que ce soit la terre qui parle. Par exemple, il y a une vieille fête romaine qui s'appelait Mundus Patet. Ça voulait dire le monde s'ouvre. S'ouvre comme une bouche, s'ouvre comme des lèvres, vous voyez. Ça voulait dire que le monde se met à parler. Et alors, j'ai essayé d'écouter cette fête-là et de parler de comment les volcans parlent, comment le vent parle, comment la mer se met à parler. La mer est un extraordinaire instrument à vent, vous le savez bien. Donc, comment on entend la mer, comment on entend les volcans, etc. Et donc, si vous voulez, c'est plutôt une symphonie composée par les éléments, composée par la mer, composée par l'air, composée par la terre, etc. Voilà.